papa. Elle touchait le miracle, elle touchait le changement, elle touchait l'amour, elle touchait l'amour. Ragana mama yerebe, shanamando yerebe, elle touchait l'amour. C'est moi dans tous les bras papa, dans tous les bras papa, dans tous les bras papa. C'est là qu'il m'a bien dit, c'est là que je me contente dans tous les bras, papa. Dans tous les bras d'amour, dans tous les bras de réconfort, et les bras de restauration, et les bras de guérison, et les bras d'amour, et les bras de paix, et les bras de repos. C'est là que nous trouvons la joie, c'est là que nous trouvons la paix, c'est là que nous trouvons le repos. Dans tous les bras, papa. Le Seigneur de gloire, l'étoile du matin, le bon berger, alléluia, le prince de la paix, alléluia, Braganamando Salamande, donne-lui la gloire, alléluia, ma, pousse ma cri de joie, ma cri de triomphe, ma cri d'allégresse, parce qu'il nous manquait, au milieu de nous, parce qu'il nous manquait.
bel la bouche, Jelly Pena, comment toi, Seigneur, de l'olie un moment, alléluia. Jelly, c'est qu'il y a le oulé qui est ce matin, il trouve dans les quais, il compte dans les quais. Il n'y a pas un Dieu qui est à l'apparence. Il y a un Dieu qui est dans les quais. Il titille avec David. Un homme selon mon cœur. Malgré comme les péchés qui David in fait. Malgré comme les erreurs qui David in fait. Mais Dieu n'est pas un erreur. Dieu est dans son équerre. Et qui ce matin, il te les quais ouvert. Et qui mon Dieu capable de trouver dans ton équerre. Combien de comptes en lui. Exprime-lui de l'amour. Exprime-lui de reconnaissance. Exprime-lui de bonté. Exprime-lui de fidélité. Exprime-lui, exprime vis-à-vis de lui, qui compte ton compte en lui. Yandorana mando sanamane, yendorabama mamando sababa yerebe, yegana mando yarababa. Au lit de toi ce matin, qui Dieu, ligué dans ton équerre. Dieu l'icône toi dans ton équerre. Dieu l'icône au plus profond de tous les cœurs. Ce matin, de lesquels il est fermé, parce qu'il y a une situation qui peut parler de tout, de toi, peut étouffer toi. Le bon Dieu de toi, donne-lui ce qui est là ce matin. Donne-lui ça qui est là ce matin. Donne bon Dieu ça qui est là ce matin. Laisse-le apporter transformation. Laisse-le apporter changement. Laisse-le amener la paix dans ton équerre. N'a pas à battre dedans de toi. Mais donne Jésus ça qui est là ce matin. Donne-lui ça qui est là ce matin. L'icône prend soin de ses bons enfants. L'icône délivre son peuple. L'icône délivre l'équerre van qui ken. Et oui, l'icône crase van l'équerre qui rosse. Et les rend sensible. Ondo shanamando yaraba mama yerebe. Alléluia, donne Jésus la gloire, donne-lui la gloire, donne-lui la gloire, donne-lui la gloire, alléluia. Quelqu'un sur lequel peut transformer ce matin, quelqu'un sur lequel peut changer ce matin, quelqu'un sur lequel peut gagner la paix, quelqu'un sur lequel peut gagner le repos. Alléluia, acclame Jésus pour ce miracle, pour cette transformation, pour cela méprisant. Alléluia. Oh merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Le Seigneur est bon. Bien, le Seigneur est bon. Bienvenue dans la présence de Dieu. Et sois acclame Jésus, nous acclame bien fort. Alléluia, alléluia. Salut au Père aussi à côté de vous. Dieu dit bonjour. Dieu dit bienvenue. Accueillez-le, alléluia. Faites sourire avec lui. Moi, je crois qu'il nous donne meilleure place ce matin. Là, que le bon Dieu lui cause. Et laisse-nous disposer nous les cœurs vis-à-vis de la parole de Dieu. Et souvent, acclame le Saint-Esprit qui est dans la vie du pasteur Loriana. Le pasteur Loriana qui parle pour nous la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Le Jésus est un grand Jésus. Le bon Dieu est un grand bon Dieu. Asseyez-vous pendant un moment. Et puis tout à l'heure, nous pourrons mettre nous debout. Moi, j'ai une annonce bien importante, mon Dieu. C'est ma clé au cas de moi, c'est un petit coup, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est une affiche que le pasteur Clarel peut inviter. Il envoie avec le pasteur Oumesh. Et il dit, il envoie avec nous aussi. Côte, nous pouvons une convention régionale. Ça veut dire dans ce région là-bas. D'accord? Du 15 août jusqu'à le 21 août. Bien sûr, quand il y a une réunion dans nous l'église, nous venons nous une réunion. Après, nous donne ça l'importance. Alors, moi, vous demande, mon pasteur Michel, prends un petit poulet là, ou fermez ça, nous, notice board, s'il vous plaît. D'accord? Ça, c'est un. Deuxièmement, maintenant, moi, pour faire une annonce à ban frères et sœurs, ban parents, qui amènent d'autres enfants ici, dans l'église. Frères et sœurs, et dans la présence de Dieu là. Bon, pas d'accord qu'il y ait un parent, il n'est pas venu dans l'église, mais il y a dans le couloir, et ben, les enfants galopés. Et même on a un rapport qu'il y a des enfants monter, descendre, dans l'escalier. Non. Montrez aux enfants depuis les petits pour rester dans la présence de Dieu. D'accord? Et puis, quand les enfants là, dans la toilette, les petits, accompagne-les. D'accord? Accompagne. Je connais la Bible qui dit ça. La folie
est attaché au cœur de l'enfant. Connais dans mes enfants de petit, quand je t'allais dans la toilette tout seul, je te croule au papier. Mais nous achetons ça rouleau là, nous pas gaspiller. Hmm? Alors, mon bout de manzeu, garde nous bonne toilette propre quand vos bons enfants finissent servir, flush les, garde les propres pour un autre. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous pouvons mettre une table allongée dans toilette dame au bas prochainement. Pour bonne maman qui sans de bons enfants. Mais si vous connaissez, ou un enfant qui vous échange se couche, amène un sac plastique et coup, ferme se couche, et puis vous mettez dans toilette en bas. Et un grand, pas dans toilette, donc, dans poubelle. Et un grand poubelle au bas, je t'enveloppe bien propre, je te mets dans poubelle. Je t'aime, moi, mon frère et soeur. Je dis à ça, pour ne pas les embarrasser, mais pour nous garder, nous, l'église propre. Toilettes aussi, c'est elles font partie de l'église. Ah oui, ils font partie de l'église, ceux-là. Alors, mon bout de manzot, frères et sœurs, garde vos enfants avec eux. Pas amène joujou pour vos enfants dans l'église, parce qu'ici, où tu as le temps, ou pas tu peux faire ça. Ou pas tu peux amener joujou pour vos enfants. Et un respect. Et un respect. Montre les enfants-là. Enseigne l'enfant depuis les petits. C'est qu'il est besoin de suivre d'après la parole de Dieu. Amen. Et puis, mon pédiaze, je vous trouvais le sale affiche là, il commençait le 15 août. Mais nous, le 15 août, une journée, nous pouvons dans l'église. Ah bon? Oui. Jeûne et prière, depuis 6 heures grand matin jusqu'à 6 heures tantôt. Est-ce qu'ils se pétent moins bien? Quand nous pouvons prier ensemble, moi, vous demandez eux, préparez-eux. Préparez-eux afin qu'ils soient capables d'être là à partir de 6 heures grand matin jusqu'à 6 heures tantôt. Vous êtes moi bien là? Hein? C'est très important. Très, très important qu'ils nous viennent prier ensemble. Nous pas seulement viennent prendre la Sainte-Seine ensemble, mais nous viennent prier ensemble. Est-ce qu'ils ont peut-être moi bien? Nous venons louer le Seigneur ensemble. Nous pouvons laisser bon Dieu agir comment l'île agir pour cette église. Amen. Gloire à Dieu. On est content avant qu'il nous vienne nous la Bible. Nous pouvons chanter une cantique qui peut-être un peu longtemps nous pas chanter. Mais c'est ta parole dans mon cœur. Ta parole rend moi plus qui vainqueur. Tu te rappelles cette cantique-là? Laisse-nous mettre nous debout, nous pouvons chanter cela. Pour la gloire de Dieu. Voilà, la chorale pour faire nous chanter. Mais les temps où je chante sa cantique-là, frères et sœurs, dis oui, Seigneur, mon pousser à tes paroles dans mon équerre. Oui, Seigneur, tes paroles rendent-moi plus qu'y vainqueur. Tes paroles est navalère. Je te connais cela. Amen. C'est ta parole dans mon lequel, ta parole à moi plus qui vainqueur. Ta parole, Seigneur, est allée. Ta parole, Seigneur, est la lumière. Ta parole, Seigneur, est allée. Ta parole.
lumière. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu est la lumière pour nous? Est-ce que la parole de Dieu est la vallée pour nous? Amen. Laisse-nous assise nous pour nous écouter la parole de valeur. Amen. La parole qui amène la lumière dans nous la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, vous pouvez expliquer la fois dernière comment bon Dieu envie que nous prospérer. Comment bon Dieu envie qu'il nous de gloire en gloire. Mais le diable peut faire tout pour nous pas venir, pour nous pas rire, pour nous pas manger de gloire en gloire. Même les qui causent avec David, décourage David. Et pourtant, David, tu pouvines le roi d'Israël. L'iti, l'homme selon le cœur de Dieu. David, il montre-nous comment louer le Seigneur. Ça même David qui dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tout mon mal ennemi. Mon montre est un autre personnage de la parole de Dieu ce matin, qui bon Dieu pour faire l'image de gloire en gloire, mais qui le diable pour refaire tout pour être lié en bas. Qui fait mon père donne autre ça l'exemple là, ou si ou capable pour vous d'un moment découragement, pas qu'on est qui pour faire, mais rappelez-vous la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, y a la lumière. Ta parole, Seigneur, y a la vallée. Ou bien où la Bible dans le livre de Daniel? Daniel, le chapitre 6. Peut-être nous pour lire un peu long, parce que Mobizin explique cela. Alléluia. Daniel, vous guettez le chapitre 6. 6. Pardon. C'est ça le thème de nous, l'enseignement ce matin. Mais moi, je suis content des autres affaires. Quand nous arrivons le chapitre 6, c'est dans le chapitre 1er. Quand Daniel sortit, la Bible dit à nous, d'après le chapitre 1er, Daniel lui sortit d'une race royale, d'une famille noble. Mais Nebuchadnezzar, qui a envahi Israël, et il prend dans sa pays-là quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble. Il n'y a pas de n'importe qui s'en a. La Bible dit à nous dans le chapitre 1er, le verset 4, de jeunes garçons sans défaut, corporels, beau de figure, c'est qui dit à nous qui ça ban garçon là, tu ban bel homme, ban beau mec, peut-être pour le langage 2022 nous dire, hein, ban beau mec, ban jeune garçon, parce qu'il n'a aucun défaut dans eux. Et la Bible dit à nous non seulement ça, zoti doué de sagesse, d'intelligence, d'instruction. Vous êtes pas tibane n'importe. Amen. Et puis la Bible dit à nous, vous êtes capables de servir dans le palais du roi à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Voilà le but. Qui fait Nebuchadnezzar, tial rôde saban jeune homme-là, amène-vous à Babylone. L'Israël choisit les meilleurs qui sont en Israël pour les faire apprendre. Alléluia, les lettres et la langue des Chaldéens. Mais quand Tinaka, avec un qui s'appelle Daniel, Zoti, enfin laisse-moi dire Zot les noms, le chef des eunuques leur donna des noms, Daniel, Belshazzar, sans autre nom là. Tiens, autre nom, juif, donne-zut ban nom de Chaldéen, du roi de Babylone.
Li sans le nom Daniel, y a peli Belshazzar. Ça les rois là, l'Éthiopie se manger ce bois à une divinité avant. Je peux comprendre qui m'a fait Jésus. L'élève Daniel, le verset 6, 8 du chapitre 1er. La Bible dit nous, David, Daniel résolu. Résolu veut dire prendre ferme décision. De ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et l'étudier à sa kiken, qui prend les soins là. Rends-moi un service, pas de nous manger ça. De nous manger seulement légumes avec des lots. Sa kiken là, tu viens bien. Il dit, mais quoi les rois pour trous autres? Il dit, non, pendant 10 jours, mettons à l'épreuve. Légumes avec des lots. Légumes avec de l'eau, pas être nous en bas, ça. Oh non. Quand nous mettons pas un moment de jeûne et de prière, et qu'ils nous mangent légumes, nous boisissent de l'eau, et n'a quelque chose qui arrive. La Bible dit nous comme cela, au terme fixé par le roi, le verset 18, je devine devant Nebuchadnezzar. Je devine devant Nebuchadnezzar, et le roi, tu entretenis à lui avec eux. Mais je connais qui les rois ont remarqué? Qui est-il 10 fois supérieur à tous les magiciens et les astrologues? Et ça n'est pas ça. Ça n'est pas sa supériorité là. Ça Dieu qui se peut faire compromis là. Ça Dieu que je dis oui. D'accord. Nous pas pour faire compromis avec le diable. Maintenant, le chapitre 6, dans Daniel, le verset 1er, la Bible dit à nous, Nebuchadnezzar n'a allé, une ville d'Arius. Darius trouva bon d'établir sur son royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Le roi Darius, comment dire, il élève 120 surintendants. Pour qu'ils ban là, donne-lui compte. D'accord? Ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Le roi ne trouve bon pour y élève 120 satrapes. Je ne pas habitué avec le mot satrape. Il peine l'attrape les races, hein? Il y a un surintendant. Est-ce que je peux comprendre, moi? Peut-être que ça casse un mal. S'attrape, et qui peut l'attraper. Mais ce sont des chefs. OK? Et la Bible dit à nous le verset 3. Qu'est-ce que dans la Bible, sa phrase, sa verset là? Daniel surpassait les chefs et les satrapes qui faire. Les tipliotes qui s'abandent les autres, 120e, non? 119 là. Et les 120e. Les types plus faux, plus là-haut, qui panne 119 là. Tu connais qui faire? La Bible dit à nous, parce qu'il y avait en lui, alléluia, qui tenait en Daniel, un esprit supérieur. Est-ce qu'ils te connaissent, bon Dieu, de nous un esprit supérieur? Est-ce qu'ils, comment tu te connais ça? Je vais me faire des grès, je vais me faire masters, pas ça. Bon Dieu, donne-nous son Saint-Esprit.
nous avons en nous un esprit supérieur, l'esprit du Dieu vivant. Ce qui se peut à moi. Amen. Ce qui me peut lire aujourd'hui, nous pouvons appliquer dans nous la vie. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Vous êtes connus? Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Ah bon? Daniel qui vint comme esclave dans le pays de Belshazzar, Chaldéen, vient à Babylone. Darius envie élève Daniel pour faire Lévin le chef de tout le royaume. Vous avez vu comment les rois? Pareil comme Joseph, bon Dieu, titia Joseph dans la prison, fait Lévin responsable manger, pour donner tout du monde manger. Après le roi, après Pharaon, excusez-moi, Tivin Joseph. Mais c'est bon Dieu qui n'a pas fait moi venir après mon patron. Qui fait un nom? Qui fait un nom? Bon Dieu envie de nous le meilleur. Je connais ce passage qui m'a fait lire avec vous là. Beaucoup de temps, bon Dieu n'enseigne-moi ça. C'est pourquoi je te dis avec moi-même, moi, Loyana, je tout connais, mon professeur. Mais je te confesse. Avant qu'il me quitte le professorat, dans mon école, je suis un senior educator. Je suis un educator. Mais je connais mon Dieu, fais-moi grâce. Avant moi aller, mon recteur, il appelle moi un jour, dis-moi, Miss Loyana, à partir de tel jour, tel mois, vous serez le senior educator. Je connais qu'il y a un signe éducateur. Premièrement, mon épelle dans le staff. Ah bon, quand tu aller, on gagne un bureau pour moi. Par la grâce de Dieu. Deuxièmement, mon bon collègue, je t'y bisais, rapporte avec moi beaucoup de choses. Et moi, je t'y bisais, elle donne un rapport, mon recteur, au moins un à deux fois par semaine. Moi, tu disais, passer quand mon camarade peut enseigner, passer que tes mon camarade a fait dormir. Et moi, vous allez donner un rapport, le recteur. Moi, tu sens moi bien mal à l'aise. Ça, moi, pas de faire. Vous connais qui faire? Parce qu'il nous parle grâce à du monde. Bon Dieu, n'appelle nous pour élever. Nous, mon camarade qui travaille avec nous, bon Dieu, met nous parmi eux. Mais, laisse-nous guérir pour ma bande future chrétienne. Oui ou non? Ah, mais si je dis ça, les peuples, moi, je suis grâce. Comment je parle cause de Jésus? Est-ce qu'ils ont pour venir vers Jésus? Non. Non, non, non. Mais la Bible dit à nous, le roi pensait à établir Daniel sur tout le royaume. Le roi, tu ne penses ça. Mais je connais quand il pense ça. Il me disait causer. Il me disait de dire ça avec les autres, s'attrape sur un tendant. La Bible dit à nous, allô, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Je connais ça, l'esprit-là, il a encore pu rouler en 2022. Il a encore pu dire ça, l'esprit-là. Ça, l'esprit qui fait à Bandimoun redonne l'occasion. Faut le dire, patron, on connaît? Non, il y en a. Nichal. Anaël. Tu connais ça? Ça démola, il y a encore pu agir en 2023. C'est pourquoi, mon bon frère, mon bonne soeur, tous les jours, avant le travail, avant où mettre les pieds dans le travail, couvrez-vous avec le sang de Jésus. Couvrez-vous avec le sang de Jésus. Ah, mais c'est moi-même, mon propre patron. Couvrez-vous aussi avec le sang de Jésus, hein? Plus en gros. Est-ce qu'ils se pètent moins bien là? Couvrez-vous.
lié ma prière de l'âme contre Dieu. Parce que le diable, il a posé tout en bas, lui. Mais Dieu, il est là pour tirer ou du fumier, pour faire ou assise avec les grands de son peuple. Maintenant, ça m'a s'attrape là. Laisse-moi mettre le mot surintendant. Mon plus compte à sa mot là. Un surintendant, il disait, donne rapport à les rois. D'accord? La Bible dit, nous, de Tiro donne l'occasion d'accuser Daniel. Et Daniel, il fait ça. Qui Daniel, il fait sa 119 s'attrape là. Daniel. Il peine fait autre Daniel. Mais ben là, tu es animé par un esprit de jalousie. Ah bon? Moi, j'ai mon collègue qui jaloux moi. Ah! Oui, j'ai mon collègue qui jaloux. Et n'a pas dit à où j'ai jaloux. Mais il n'a pas dit à où. Mais par votre latitude, par manière de cause à où, ou fini connaître qu'ils n'ont pas sincère avec vous. Je t'en vis, accuse Daniel, en ce qui concerne les affaires du royaume. Je t'y vais, Eli. Qu'est-ce que Daniel, pardon, Daniel capable de faire contre Darius, contre les affaires du royaume? Mais, et dans cette habit de sa phrase-là, mais ils ne purent trouver, alléluia, qui trouve, mettez dans cette habit, ils ne purent trouver aucune occasion, le verset 4, ni aucune chose à reprendre. Vous connaissez qui faire? Parce que Daniel était fidèle. Il était fidèle à ce les rois. Est-ce que vous êtes fidèle à vos patrons? Est-ce que vous êtes fidèle à vos chefs? Est-ce que vous respectez lui? Très important. Parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Super, ça, Daniel. Il était fidèle? Pas de capable. Rodé même! Une faute. Je peux te donner la tête au destin à l'ipoulante. Non, n'y a pas. Non, n'y a. Ni faute, ni rien de mauvais. Mes soeurs, qu'est-ce que même? Pense vous-même. Est-ce que vous êtes fidèle dans votre travail? Est-ce que vous avez un collègue capable de dire tel sa quittaine là? Ta qui t'aime là, c'est la faute. Jamais les coquins. Jamais les prennent petites affaires comme ça dans le travail. Non. Et la Bible dit à nous, verset 5, tout ça là, vous avez avec nous, c'est oui, mon bâle. Et ces hommes disent, je dis avec eux-mêmes, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Les gens ne peuvent pas trouver dans rien. Nous redé qu'il y fait contre ce bon Dieu. Nous redé qu'il y fait, nous redé une faute dans la loi de son Dieu. Après les là, Saban s'attrape là, je t'alvais le roi. Je t'al cause mal de Daniel. Et je fais les rois proclament la loi qui dit dans l'espace grand jour faut des pas qui personne fait aucune la prière à n'importe quel dieu adressant des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi au roi. Et je fais je dis les rois passent la loi. Il ne faut pas trouver dans ton royaume aucun démon qui peut prier à n'importe qui Dieu, excepté à toi. Je te fais ça, les rois-là, viennent Dieu. Que démon, bien prier. Mais
Et la Bible dit à nous comme cela. Le verset 9, là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Les rois là, pas connaît qui fait, lui. Est-ce qu'il y connaît qui fait? Il pas connaît, il croit. Moi, je supposais, ça c'est là où il y en a qui met ça. Il croit que moi, dire, ben, la compte en lui. Les rois prient à moi. Les rois ne croient. Qui comment dire? Saban, sacre, ça frappe, surintendant là, compte en lit. Alors, il crie, ça la loi là, il dit, top, 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 il est signé. Mais le verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Mais l'étant Daniel, il n'a le connaît qu'il n'arrivait, il rentre dans ce lac. Il n'y a pas le d'explication avec ce même collègue. Il rentre dans la case qu'il y fait. Là, je vous ai des autres affaires. Montrez autres comment dit mon veille nous. Ce même la fenêtre est là-haut. La Bible dit nous où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Ce même la fenêtre là-haut est ouverte. Mais lui qui l'y fait, trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ça, la loi là, pas t'en pèse-lui à le prier, à louer ce bon Dieu trois fois par jour. Et ça va surintendant là, on a le côté sur la case. On a le veillé et on tente Daniel de prier et de louer. Oui ou non? Quand nous prier à Dieu, quand nous louer, ça fait ta passe. Ça. Mais ça pas pour empêcher nous louer et adorer nous bon Dieu. On s'en passe un peu les détails? Ben là, le raconte ça les rois. Et les rois, quand tu passes la loi, te dis à faux départ, écoute, faut départ prier, aide le Dieu que toi, dans l'espace de 30 jours. Et le roi dit, mais bien sûr, la chose est certaine. Et selon la loi des Mèdes et des Perses, pas capable de s'enlever ça. L'immuable, pas capable de bouger. Can't be moved. Can't be moved. Là-bas, là, j'ai dit, mais les rois, est-ce qu'il te connaît qu'il y a Daniel, l'un des captifs qui t'en amène, qui n'amène ici à Babylone, qui ne tenir compte de te défense, ni de te la loi, et lui faire sur la prière trois fois par jour. Le diable, il veille en nous comme un lion rugissant, la Bible dit à nous. Je connais quel lion rugissant fait. Il rôde qu'il est, il est capable de crier, il mange. Maintenant, tu fais comme ça. Je ne fais comme ça avec Daniel. Je n'ai pas le rapport, les rois. C'est, vous ne pas connaître où mon collègue, il rapporte moi. Et qui on fait un coquin? Non. Un fidèle? Oui. Les autres apôtés, les bon Dieu défendent nos causes. La Bible dit à nous, nos bon Dieu défendent nos causes. Vous connaissez ça? Alléluia. Et, les temps, les rois entendent ça, le verset 14. La Bible dit à nous, le roi fut très affligé. Et tu comptes en Daniel Darius. Les filles, il n'est pas fini d'être affligé, lui. Il est fini très. Fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au du soleil, il s'efforça de le sauver. Il fait tout. Il fait tout pour défendre Daniel. Mais
sa bande qui ken là, n'a pas de mauvais du monde. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et dirent-lui, le roi donne de l'autre pas capable sans eux. Et là, le roi trouve-lui un léto. Le verset 16, le roi donna l'autre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Vous autres là, à cause d'une prière, à cause d'une prière, vous êtes dans la fosse au lion. La Bible qui dit ça. Il peint dit, frère Vivek, qu'on le déposa dans la fosse des lions. Zopatal dépose Daniel. Vous connaissez ça, vous dites déposer, à le quitter. Vous dites, c'est Daniel dans la fosse au lion. Et la Bible dit à nous, les temps balènes et Daniel, le roi, il prend la parole et il dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers, alléluia, avec persévérance te délivrer. Je connais pour des autres affaires. Nous ne sommes pas comme Dimoun, je connais Dimoun comme nous. Vous connaissez du monde comme nous, frère Michel? Papa comme nous autres. Même au Canada, je te connais. Même en Australie, je te connais. À travers mobile. Je te connais combien du monde dit, yeah, moi tu donnes réunion. Une sœur dit à moi, c'est mon bien coutou pendant COVID. Je dis, bon, qui côté? Elle dit, depuis 2020, je suis vous. Je ne pas connu, moi. Je ne pas connu. Mais Lily connaît moi. Je te connais quand dernier jour, justement, mon dernier jour, mon travail, mon patron, mon recteur, lui faire un discours, lui dire, Miss Loyana, il habite prêcher. Maintenant, les bougains plus les temps pour y aller prêcher. Et lui, il y a une tamoule qui m'a dans du fait. Je peux comprendre? Je me rends grâce à Dieu quand je quitte mon travail, tout mon collègue, mon recteur, tu connais mon chrétienne. Et même l'une dit à moi, moi écoute-moi parfois. Moi écoute-moi, écoute-moi. Ah ben, moi écoute-moi parfois. Dis-moi, ah ben, moi écoute-moi parfois. Et moi connais, qui ça parfois là, côté à l'écoute-moi. Est-ce qu'ils ont pu comprendre moi, mon bon frère, mon bonne soeur? Quand mon patron dit, quand mon recteur dit, maintenant, mes soyons là pour plus prêcher. Et là, même le diable dit, hein, t'as un mozette en bas. Et là, même le diable dit, 15 jours après. 15 jours après, je prends mon retraite. Pour les bras, une des fois, se grossir. Mais c'est, mais bon Dieu, pas de laisse-moi comme ça. Alléluia. Amen. Pour les bras, une guérie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère et sœur, je te connais, mon patin à l'aise, mon mété. Moi, tu faisais tout le temps, peut mettre une robe, je peut-être donne tout le monde dans rayon dessert, même l'aise, rayon prière, même l'aise, une robe mauve, parce qu'il y patine à la manche. Alors, sa plaque là, tu passais. Et moi, j'ai beaucoup l'aise, mon capable de dire. Maintenant, je remets tout le monde à l'aise. Par la grâce de Dieu. Je dis à c'est Adeline. Dieu me donne moi ça. Le Seigneur me donne moi ce bon vêtement là. Et l'étant le roi dit, Daniel, qui ça Dieu qui te tient avec persévérance là? Et témoignage Daniel. Pour les rois, Daniel était quelqu'un de persévérant. Il dit, que ton Dieu, puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. Vous connaissez parfois ou pas besoin de rendre témoignage. La façon qui vous vit, la façon qui vous cause avec du monde, la façon qui vous était dans le travail, dans l'environnement, avec ou banement sans légumes, je connais qui est un chrétien. Je connais fut un temps, Daniel, son petit avec Emmanuel,
moi, j'habite à Buckingham, l'endroit appelé Buckingham à Rose Hill. Alors, moi, j'y reste dans sa, disons, dans la rue, et la rue de Yamoua, le pasteur Cyril qui habitait. Mais je connais à Buckingham, il y a beaucoup de commerces. Alors, ben, commerçant là, parce que nous, non. Parfois, il y a des gens qui ont dit, pasteur Cyril, parce qu'à l'époque-là, il était bien connu. Alors, ben, moi, ça l'a dit, ah, oh, qui pasteur voulait? Tu pasteur ou bien pasteur Linette? Qui ça t'appelle tu pasteur? Clarelle, qui ça t'appelle pasteur Linette? Pasteur Cyril. Ça va commerçant là. Dire que ben dix moun qui peut venir rôde pasteur, qui pasteur ou les? Tu pasteur ou bien pasteur Linette? Clarelle, tu connais maintenant peut-être tu pasteur? Moi, je dis pasteur Cyril, Cyril. Tu sais que, qu'on t'appelle pasteur Linette? Dis-moi, oui, je sais. Mais je te connais même quelque chose. Nous ne pas comme dix moun m'ont rédéali, mais dix moun comme nous. Vous connaissez comme dix moun connu dans Trinkbord, c'est à Marie? Vous connaissez ça comme. Vous ne connaissez où? Mais dix moun connu. Vous connaissez comme dix moun connu dans Bédu Tombeau, Frère Michel? Vous ne connaissez pas comme eux, mais eux connu. Amen. Et ça, les rois-là, ils te reconnaissent que Daniel, c'était quelqu'un qui était persévérant avec son Dieu. La Bible dit à nous comme cela. Les temps maintenant finissent, j'ai Daniel dans la fosse, je prends un gros rose. Je te mets là-haut pour que Daniel ne pas sauvé. Vous êtes. Quand on prend une étoile avec Bagnon, vous ne pouvez pas sauver là? Normalement. Vous ne pouvez pas? Non. Ils là pour une manzou avant. Mais je te mets une couverture et je te mets un rose là-haut pour que Daniel beau. Avec Banlion. Avec Banlion. Avec Banlion. Et le roi, lui, il est tellement affligé, mon fait que Jésus est allé là, il fut très affligé. Il n'a pas de sommeil. Il n'a pas aucun sommeil, madame, parce qu'à l'époque, le roi était affligé à madame. Il était à madame lundi, madame mardi, madame mercredi. Vous pouvez comprendre. Ça, à l'époque, là, hein? Mais aujourd'hui, non. Ou madame qui ouena, li depuis lundi jusqu'à dimanche. Après, on reprend li encore. Est-ce qu'ils peuvent comprendre moi bien? Mais à cette époque-là, non. Le roi tient à man choix pour lui faire ex ban madame. Et li peine manger, les rois. L'in jeûner pour Daniel. Ah bon? L'in jeûner, vous autres. Ça montre où? Il y a des gens qui priaient jeûner pour où? Amen. Et la Bible dit à nous, les temps le lendemain arrivé, avant même l'aurore, avant même qu'il soleil levé, le verset 19, les rois levés. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Avec l'aurore, quand il y allait, il alla précipitamment à la fosse des lions. Il galopait. Il sortit dans ce palais, il galopait. Précipitamment veut dire vite, vite, vite. Qui a le faire? Pour guetter quelle quantité les eaux restées de Daniel? Non. La Bible dit à nous comme cela. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Qui lui appelle Daniel d'une voix triste? Allez, me pose ta question là. Qui fait lui dire Daniel? Qui fait lui dire ça? Parce qu'il pour lui, lui on demande Daniel. Sans quoi s'il tient à la foi, si tu peux appeler Daniel d'une voix faute. Je peux comprendre qu'il m'a fait dire ça. Il appela Daniel d'une voix triste et lui causait. Il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, est-ce qu'il est délivré toi de ban lion? Vous êtes, qu'est-ce que ça témoignage que Daniel lui donnait là?
Et tu servis un Dieu de persévérance. La Bible vient nous, là, Daniel répond, roi, vis éternellement. Allô, Nidia, mon Dieu a envoyé son ange et fermé, qui s'arrange à faire, fermer la gueule des lions. Les autres là, pourquoi pas fermer la gueule des lions? Est-ce qu'il y a un humain? Ça pas ferme la gueule en lion. Ça va voir la main pour fermer même. Ou la main reste dans la gueule là. Est-ce qu'il vous peut comprendre moi? Lydie, Dieu il envoie son ange et ferme la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, au roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Devant bon Dieu, l'innocent. Et devant les rois aussi, l'innocent. Formidable ça. Super ça. Amen. Et la Bible dit à nous le verset 23. Ça, les rois qui fait causer d'une voix triste là. La Bible dit à nous, le roi fut très joyeux. Sa tristesse changeait en joie. Le roi fut très joyeux. Étant l'intan, Daniel causait. Et l'un verset, on va le mettre dans mon cahier, mais ça peut venir dans mon pensée. Et l'un verset qui dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Mais ça même pas ça la loi là, le roi Darius. Mais ça même bon Dieu pour ses vies, pour venir un sujet de joie pour Daniel. Est-ce qu'il se fait tellement bien là? Hein? La Bible dit nous, le roi fut très joyeux et lui donne un lot, deuxième lot lui donner. Il fait Daniel sortir de la fosse au lion et Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva sur lui 1000 blessures. Il était avec un lion, frère et soeur. Les lions. Est-ce qu'il y en a une blessure dans lui? 100 blessures? 1000 blessures? Non, aucune blessure. Aucune blessure. Alléluia. Qui fait? Parce qu'il avait eu, mettez-la, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Je connais un jour, moi, j'écoute un message par un pasteur, bien longtemps. Et tu causes Daniel dans la fosse. Il dit, pendant qu'il bat l'ennemi de Daniel, peut-être il disait un rôle de molleton pour couvert, couette, tiens la couette, ça. Je connais Daniel, qu'est-ce qu'il peut faire? Il dit, tu entres dans le lion. Lion à droite, tu peux souffler à droite. Lion à gauche, tu peux souffler à gauche. Lion par derrière, il permet qu'il y ait un coussin pour lui. Il dit, au milieu des lions. Personne ne peut pas toucher. Personne, aucun lion. Rappelez-vous, un lion, c'est une créature de Dieu, ça. Et bon Dieu, tu envoies ce bon ange, Aban, son ange, pour fermer la gueule des lions. Amen. Et le verset 24, les hommes, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Le roi est tellement en colère. Il dit, get un coup, get Daniel une sortie vainqueur. Amène-moi, ça m'a dit mon petit. Hein? Amène-moi. Pour moi, c'est amène-moi les autres 119 satrapes. Amène-les autres. Et pas les autres tout seuls. Amène-les autres, autres femmes et les autres bonnes enfants. Et jette-les dans la fosse au lion.
La Bible dit à nous, avant même qu'ils n'arrivent au fond de la fosse, qu'ils bagnent une fer, ils réchauffent zut. Non, pas zut. Pas zut. Daniel zut y réchauffé. Mais sa ban accusateur là, la Bible dit à nous, les lions les saisirent et brisèrent leurs os. Quand les os trouvés, il y a la viande. Tout le monde les oeufs, la zot. Non, on a la chair là. Mais lion là, n'a pas zot les oeufs. On accuse le serviteur de l'Éternel. C'est qu'il crée Daniel là. Il crée nous aussi ça. Il crée. Sœur, assise-vous vite, vite, sœur. Assise-vous la même. Pas créer distraction. Oui, ça banne. Lion là, il brise les os, ça banne accusateur là. Mais mon rontant le verset 25. Mon explique je tout ça là. Pour nous commence comprendre à partir du verset 25. La Bible dit à nous. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues, aux qui habitaient sur toute la terre. Attends-tu les rois, ça? C'était le roi de toute la terre. Il écrit à quelque chose. Il dit que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne. Il dit, dans ce lettre, il dit à mon ordonné, que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de qui? Le Dieu de Daniel. Zout là. Tout le monde qui bizarre connaît, sa Dieu qui Daniel servit là, qui pas pareil comme n'importe qui Dieu qui est en Babylone. L'idée. Ils ont bizarre et n'a la crainte et la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Sa bonté Daniel là, ça même nous bondit. Est-ce qu'ils ont connu ça? Sa Dieu de Daniel là, ça même nous bondit ça. Et du monde bizarre n'a la crainte. Amen arrivé. Ou ban camarade, ou ban collègue de travail, ou ban famille. Zot dan en. Kapar tu peux critiquer ou avant. Et ça, une sens la révision. Kete, il t'appelle Vivian, il y a longtemps, pourquoi c'est là, il appelle Vivian. Amen. On prend un exemple à faire Vivian, avec tout le respect qui m'en a pour vous, hein. Amen. Nous passons nous non quand nous venons à Christ, mais nous l'esprit changé, nous l'homme intérieur changé. D'accord? Oui, moi tu peux dire. Amen, arrivez-vous. Ben dis moi qui me critique ou qui me peine vin que tout parce qu'ils se disent un sens la religion, parce qu'ils se disent qu'on n'est plus ensemble, qu'on n'est plus famille à ce qu'elle a. Même qui t'aime, ban qui t'aime, quand je donne problème. Hé, Michel, tu n'as pas prié de bon Dieu pour tes affaires pour moi. Sabina, priez pour moi. Je connais de bon Dieu et que je sais prier. Ça m'énerve-vous ça? Oui. Je suis capable, pas d'accord avec nous. Mais j'ai besoin d'accord qui nous bon Dieu guérit. Nous bon Dieu délivrer. Nous bon Dieu agir. Nous bon Dieu sans malédiction. En bénédiction. Nous bondier sans la tristesse en joie. Nous bondier sans la pauvreté en richesse. Pas sur la grâce. Vous êtes capable, pas comme ça, Dieu, là, comment nous connaît. Mais je disais, d'accord, qui c'est qui nous peut adorer là, et pas pareil, comment ce Dieu. Et c'est qui Darius dit avec tout ce peuple. Lui dire, quand
Il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Et nous encore dans sa domination. Là. Amen. Quand c'est lui qui délivre, les autres là, ils prêchaient les rois d'Aris. Les prêchaient avec tout le peuple de la terre. Les dire quand le Dieu de Daniel qui délivre, qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Il reconnaît qui sa bon Dieu Daniel là, pas n'importe qui Dieu ça, mais le grand Dieu, le super Dieu. Amen. Mon bon frère, mon bonne soeur, mon trouble dans la semaine là, pas qu'on est que ça n'a envoyé moi ça. Mon trésor d'un village africain, pas qu'on est pas où on gagne ça l'eau au mobile. Un jeune garçon, faut dégager de chaud, de t-shirt comment déchiré, comment sale. Je mets un du bois. Après je me prends une bouteille d'eau, je n'attache li là haut, je fais livre un micro. Et je peux chanter cantique. Mon Dieu, je l'ai dit, mon père, ça cantique. Je peux trouver ça. Je ne suis pas capable de faire mon mobile, mon montre les autres. Mais mon tout, ça vous dit. Quand je peux chanter cantique, mais les temps, je peux chanter ça cantique là. Je connais un africain, comment il a un rythme. Je tout ça, mon garçon. Au moins 7-8 garçons qui chantent pour le Seigneur. Mon Dieu, qu'est-ce que ça, hein? Qu'est-ce mon bon Dieu, comment il peut être loué d'un village qui ne m'ont pas même connu qu'il existait dans l'Afrique. Amen. Pas juste l'Afrique, frères et sœurs. En Colombie, si vous lire un peu l'histoire en Colombie actuellement, votre finena ban plus grand dealer de drogue, la parole de Dieu ne rentre dans Colombie. La parole de Dieu ne rentre dans l'Amérique du Sud. La parole de Dieu ne rentre dans l'Inde, dans mon village. Et le témoignage montrait où une madame peut marcher dans la brousse en Inde. Là-dedans, il dit à où sa madame-là, il tient un démon, il dit marche tout ni longtemps. Il dit marche tout ni, tout le monde qui connaît lui. Mais quand il rencontre Jésus, il met l'aise, il y a l'évangélisé, frère Michel. Il y a l'évangélisé. De village en village, il y a le Dieu qui Jésus guérit. Bon Dieu, tu es du monde dans la folie et donne-nous une pensée droite avec lui. Amen. Et le verset 28, qui nous vous termine là. Et qu'il avait dit, Daniel prospéra sous le règne de Darius, sous le règne de Cyrus le Perse. Pas seulement lui prospérer en bas règne d'Arius, mais celui qui vit après d'Arius, Cyrus, lui aussi, lui faire Daniel prospérer. Alors, mon bon frère, mon bonne sœur, nous puissions dire avec nous-mêmes, peu importe la situation, bon Dieu pour prendre soin de moi. Vous êtes sûr quand même, hein? Ok? Nous sommes sûrs qui c'est qui bon Dieu dit, il accompagne, il peut accompagner. Et nous sommes conscients qui n'importe quelle situation qui arrive nous, bon Dieu, il reste toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et il n'a pas changé. Est-ce qu'ils connaissent sa bon Dieu qui nous servit là, il n'est pas changé? Est-ce qu'ils connaissent sa Dieu qui nous peut servir là, sa même Dieu? Qui est l'époque Daniel? Qui est l'époque de son camarade? On peut une cause avec d'autres son camarade, être jeté dans la fournaise parce qu'il m'a déjà cause avec d'autres longuement là-dessus. Là, mon cause avec d'autres, dit Daniel. Tout seul, il rentre dans la fosse au lion. Il tombe dans la fosse au lion, mais alléluia, l'inlever sans aucune blessure
pour un témoignage. Pour mon frère et soeur, je suis content de laisser ça aux autres. N'a pas cause comme le monde causé, m'aurait dit Ali. N'a pas dit quand on tout ça là. Quand man qui can dire beaucoup Mauriciens peut retourner vers dire ration. Pas moi, hein? Mon quitter sa ration là. Pas moi qui pourrait tourner vers dire ration. Non. Ouchi. D'accord. Qui faire? Faut pas mépriser ceux qui m'ont dit ration, hein. Faut pas gagner les temps trier. Faut pas gagner les temps trier. Et dire ration, nous est trié, hein. Frères et sœurs, qui fait? Pour ce que la Bible dit. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Sa parole-là, il reste toujours le même, ça. Bon Dieu, pas sans y. Non. Pas la guerre, l'Ukraine et la Russie. Empêche-moi. On se gâte plus mal. C'est bien pris. Bien de l'huile, ça, non, c'est Sabina. Oui. On peut gagner de l'huile, là. En temps et lieu. Par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, n'a pas cause comme le monde. N'a pas de nous bout. Dans ce que le monde dit. Mais dire le monde, c'est ce qu'il bon Dieu dit. Amen. Est-ce qu'ils ont compris le message? Vous êtes sûrs? Vous pouvez servir le même Dieu que Daniel t'a servi. Et bon Dieu est capable de tirer où? Dans la fosse au lion, faire où sortir et faire où prospérer. Amen. Est-ce nous rendre grâce à Dieu? Alléluia. Papa, c'est dans le nom de Jésus qui m'a loué toi pour ta parole. Qui m'a loué toi, Seigneur des skis. Ta parole, il fait nous du bien. Ta parole, il y a de la lumière. Ta parole rend nous plus que vainqueurs, Seigneur. Pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Et ta parole, il y a de la lumière. Ta parole, il donne moi valeur au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci, Jésus. Amen. Amen. Laisse-nous prendre l'offrande.